Je suis standardiste sur Europe 1 pour l'émission de Cyril Hanouna. Allez-y, Justine. Alors déjà, pour commencer, parce que je vais être honnête avec vous, c'est que je m'appelle Imane. D'accord, pardon, Imane. Pardon. Mais Imane, mais il n'y a aucun problème. Hein. Vous savez, moi, je... Non, mais parce que ça fait 3 jours que j'essaie de vous joindre, et quand je dis que je m'appelle Imane, on m'a pas rappelé. Dès que j'ai dit que je m'appelais Justine, on m'a appelé dans la minute. Mais pardon. Non. Il faut savoir qu'on ne fait pas de tri, bien entendu. C'est pas de ma faute si les pauvres, ils ont des téléphones portables pourris, et du coup, ça capte pas bien, et qu'on prend que des gens qui ont des iPhones. Bah, c'est comme ça. Alors, il y en a pas mal qui disent oui, parce qu'il y a un prénom un peu collatéral sur l'étranger, on le prend pas. C'est pas ça, c'est qu'après c'est difficile à marquer un prénom d'origine étrangère, on sait jamais trop comment ça s'écrit. Et sur le tableau pour Cyril Hanouna, en fait, on préfère mettre des François, des Julien, des Pierre. Au moins ils se trompent pas comment il dit le prénom. Voilà, c'est pour ça en fait. Faut savoir qu'à Europe 1, y a pas que les premiers de la classe. Donc du coup on prend que des gens qui ont 2 à 3 syllabes dans leur prénom. Par exemple, si tu t'appelles Emeric, ça va. Tu vois, Julien, ça va. Jamel, Larabeu, voilà. Ça rajoute des syllabes. On peut pas dire qu'à Europe 1, on fait tout pour qu'on vote Rassemblement National. Non, on a invité Éric Zemmour. Il y a Reconquête, c'est pas pareil. Et puis attends, il y a des gens de gauche hein, sur le plateau. Il y a Gilles Verdez, aka Le Paillasson. Oh, non mais attendez, en tout cas on est content que Cyril Hanouna soit à la radio. Pour une fois qu'on parle de nous. Nous à Europe 1, on va faire parler tout le monde, du moment qu'il soit d'accord avec nous.